président dominicain Luis Abinader déclaré haïtien la guerre. Pour 21 millions de dollars, haïtien fait au perdu. Tendez bien, c'est j'entendez ya, nous fait président dominicain, nous fait République dominicaine perdu 21 millions de dollars. Tout le temps de nous tendez, y a fait déportation haïtien en Haïti. Yo annoncé pour lundi qu'il vini là en déportation massive et yo profité cassé maintenant mes différents autres pays qui fait partie de l'Assemblée générale des Nations Unies qui ont même tapé les oreilles République dominicaine tapé les oreilles Luis Abinader dans violation droit moun c'est pas ti cause que dit et bien semaine lundi là ça k'a gagné contre haïtien République dominicaine c'est bagay tête chargée rete là m'bral barou plus détails. Ricard Pierre, ministre planification coopération externe, ministre SDPA, ministre André Michel, Marjorie Michel, là, avec trois autres ministres, nous gagnons ministre défense, Enol Joseph, nous gagnons ministre intérieur, collectivité territoriale, Lise Kitel, nous gagnons ministre justice sécurité publique, Berthe Dorsey, selon Valérie Numa, c'est quatre ministres qui n'ont gouvernement Ariel Henry qui tombent direct en bas sanction États-Unis et Canada pour malversation, pour relation avec gang, pour relation avec bandit, ils ont impliqué dans violence criminelle, ils ont impliqué dans financer gang en dedans pays. En nous sérieux. Parce que je dis, n'a pas parlé de un pays, pas vrai. N'a pas parlé de quatre ministres qui fait partie de un gouvernement là qui a pris décision pour peuple haïtien. N'a pas parlé de quatre ministères qui clé dans gestion sécurité pays, sécurité intérieure yon pays. N'a pas parlé de quatre ministères qui clé dans créer dans mettre politique publique campé pour accompagner population et pourtant c'est quatre moun sa yo qui tombe en bas sanction États-Unis ou bien communauté internationale si nous ka di ça pour relation yo gagné pour relation titulaire ministère sa yo gagné avec gang avec bandi en le dans pays ya. On nous garde réalité en janvier. Le n'a parlé par exemple de ministre défense on parle de ministère de la défense youn nan ministère qui clé dans sa qui gen pouwè avec contrôle territoire c'est youn nan ministère ou ka di en termes de sécurité qui gagne puis on parle pour jouer. OK, étant donné nèg yo fin craser l'armée, étant donné pas jamais gouvernement, pas jamais autorité qui campe vraiment pour dire il y a prémobiliser l'armée Haïti a bien l'armée. Donc ou gagne ministère de défense qui là c'est comme si son l'argent y a mettre dans portefeuille ministériel nèg za yo pour yo gaspiller, pour yo dépenser, pour yo faire corruption sans que en retour population pas joindre service que ministère de défense t'a supposé balir. Mais l'argent ça en pile fois faut nous poser tête une question. Étant donné l'armée a pas vraiment opérationnel et pour le ministère de la défense qui gagne l'argent dans le portefeuille ministériel li faut nous chercher qu'on est qui ça l'argent ça à régler en pile faut entendre y a alimenté ses pouvoirs cap alimenter gang ses pouvoirs cap bay gang l'argent cap deal avec gang etc. Faut que nous ta connait est-ce que l'agent ça yo qui dans budget qui dans portefeuille ministère de défense en pile fois yo pas joindre gang yo pas joindre bandi ça c'est youn. Mais kounye a par rapport avec situation où gang a terroriser population gang a touyer petit peuple gang a kidnapper gang a assassiner et nous est tout chaillan reposer sous dos qui est reposer sous dos PNH alors que PNH lui-même li pa gagne capacité ou bien aptitude pour le ta fait travail au militaire ta ka fait la police pas policier ou pas militaire en nous sérieux nous clair sur ça la police c'est pas une force militaire liée son force de police qui t'a supposé là pour faire qui ça pour épauler l'armée qui ça nous est jodi en là toute chaille reposer sous dos qui est sous dos police nationale d'Haïti alors que nous gagne au ministère de la défense, nous gagnons au ministre défense, nous gagnons différentes autorités qui t'a censé là pour intervenir dans ça qui gagne pour avec et problème gang en dedans pays qui t'a supposé et responsabilité la mais vous comprenez mais au contraire c'est la police et je dis là des questions pour nous poser en réel en avec tout gouvernement là et tout l'autre gouvernement passé avant yo qui intention yo vis-à-vis de pays yo, vraiment qui intention yo vis-à-vis de l'armée d'Haïti l'armée écrasée yo faut qu'on ait c'est sous volonté on seul nèg Aristide graser l'armée mais des écraser l'armée hein yo démobiliser l'armée yo écraser l'armée c'est intention qui est. C'est intention États-Unis, c'est volonté États-Unis pour Haïti pas de gagner l'armée, écraser l'armée. Et jusqu'à date, ouais,
États-Unis pas jamais voulu pour remobiliser l'armée, li pas voulu gagner l'argent qui a investi pour entraînement négio pour acheter équipement, pour acheter matériel pour militaire, pour avoir un bon l'armée qui opérationnel, qui a défendu l'intégrité territoriale, qui a défendu souveraineté nationale. États-Unis pas voulu bagay ça. Mais comment ça se fait? Pour un ministre qui n'a tête un ministère qui pas opérationnel ou pas bon l'armée qui opérationnel, mais je dis là non, la cité dans scandale de proximité avec gang, de relation avec gang, vous comprenez? Il a financé violence, il a financé insécurité en dedans pays. Sous qui base? Sous qui base? Ou gagne ministère planification. Ministère planification, là c'est un ministère côté l'argent passé en pile. L'argent don, l'argent prêt. Rika tellement gèl l'argent la brasse de dans ministère ça. Si nous André Michel a bien passé, en pile fois nous poser tête nous question, est-ce que c'est Ariel qui fait la bien passer ou bien est-ce que c'est Rika qui fait la bien passer? Non, pas de tout ça parce que c'est un ministère qui clé dans ça qui gagne pour avec l'argent, dans ça qui gagne pour avec fonds, dans ça qui gagne pour avec budget. OK? Donc, par rapport avec situation ça, si y a cité non, Rika Pierre, si États-Unis, Canada, différents pays parlent pour prendre sanction contre Rika Pierre, qu'on y a question pour poser, est-ce que c'est depuis les Rika t'es dans opposition politique là, y a des gens dans un dossier sur Rika comme quoi la financer gang, comme quoi il y a une relation avec bandi pour déstabiliser pays pour créer violence criminelle, ou bien c'est pas de Rika monter dans tête ministère planification, nèg vin gen l'argent en mille, nèg vin gen plus accès, nèg vin gen, vous comprenez, nèg vin couvrir en bas prix les jours et puis sortant de là c'est plus gargote, sortant de là c'est plus proximité à gang, c'est plus possibilité nèg gagner pour alimenter insécurité, pour créer violence en dedans pays, parce que nèg en Haïti depuis au chef, depuis au officiel, yo caché des statuts, yo caché des fonctions, yo caché des immunités. Rika Pierre, un ministère qui est aussi important dans le pays pour gérer tout ça pour avec politique publique, pour gérer projet communautaire, pour gérer projet national, projet régional, ou tant ce titulaire ministère ça qui a relation avec gang qui est en sanction. Ou déjà voilà deux ministères qui stratégiques pour permettre pays à bien marcher. Titulaire yon bas sanction. Titulaire yon se bandi yon reconnaît yon a financé. Se gang yon a financé. Yon même peut-être pas yon se gang tout. Point bon. Ou bien gen yon koun yon ministère justice sécurité publique. Bon pa même besoin d'ou. Depuis nan Bible yon d'ou la justice élève une nation. Bon si justice paye ou pas bon. Qui nation a fait là? Qui société nous voulons créer? Qui société nous voulons bâti? La pa gen d'ou tout ça. Son pays qui n'est pas fini. Son pays côté que. Cette population elle pas jambe ka combler par rapport avec autorité yo qui yo même yo non situation ça c'est yo même qui crée plus instabilité, plus trouble, c'est yo même qui crée une situation d'inconfort absolu côté n'importe côté en dedans pays pas ka à l'aise parce que bandi a yo arrêté le matin. Si titulaire ministère là peut-être pas li gen relation à gang, yo considère elle comme un gros bandi notoire, m'a besoin parler de petit bandi a arrêté yo, de petit poisson yo. Si yo arrêté yo matin, c'est normal pour yon libérer après-midi. Yon arrête yon à 9h, c'est normal à 9h15 pour yon libérer. Parce que moun ki nan tête ministère justice en dedans pays, yon son papa. C'est quoi ça l'autre de gang yon dou? Ah, entel son papa lié. Oh, depuis nèg la dou son papa oblige la gueule. Ou ap recevoir appel, ou ap recevoir coup de fil, y ap voye koto ou, y ap intimido ou sous son bon juge qui voulait faire travail, y ap intimido ou. Oh oui, y ap intimido ou en façon pour libérer. Agent yo a pour libérer soldat yo. Donc je dis en là mais qui réalité dans vivre. Ou gagne ministère qui clé en deux dans pays, ministère ça qui t'a supposé à travailler de concert, qui t'a supposé à travailler à faire coopération, you n'a supposé compter sur l'autre, tu t'a supposé bon synergie you n'a avec l'autre pour permettre que pays ralent souffrant que malheureux vivent bien. Pourtant c'est eux même yo bon synergie vrai oui entre eux. Synergie pour déstabiliser pays bien entendu. Yo bon synergie entre eux, synergie pour alimenter violence avec sécurité en deux dans pays, mais c'est pas synergie côté que yo pral voyer une réponse by gang, yo pral voyer une réponse by bandi, c'est pas synergie côté que
yo prend yo chaque pral rete dans limite yo pour yo faire travail yo en retour pour yo bailler la police pour yo ta bailler l'armée moyen pour yo mettre moyen à la disposition de l'armée et puis s'attendre à là pour nal combattre insécurité pour nal combattre gang pour nal finir avec fléau ça qui plonger société a fléau ça qui la cause malheureuse pas qu'à vivre dans le pays yo pas fait et nous gagne ministère intérieur collectivité territoriale après m'a dit pour qui ça me fait râler ça oui m'a le bon importance yo m'a le connait importance râler ça me fait ou nous gagne ministère intérieur collectivité territoriale ministère intérieur ça c'est une ministère stratégique qui pour arriver contrôler intégrité territoriale ça veut dire tout petit coin tout petit recoin 10 départements paysan li supposé gagne contrôle li ça qui passe dans toute section communale yo li supposé gagne contrôle li ça qui passe dans toute commune yo li supposé gagne contrôle li ça qui passe dans assemblée communale départementale yo li supposé gagne contrôle li donc là n'a parlé de Lise Kitel n'a parlé de une personnalité qui supposé mon grande responsabilité yon moun qui t'a supposé vous comprendre un monde qui t'a supposé respecter respectueux respectable et pourtant c'est ministre jodi an dans la cité dans kidnapping c'est ministre qui sanctionné pour qui ça pour relation proximité avec gang avec bandi en dedans pays mais est-ce que là gagné possibilité pour Haïti ralon souffle avec modèle autorité ça yo est-ce que ça n'a vu jodi an là réalité nous constater ya est-ce que y a des possibilités avec modèle autorité ça yo qui utilise des fonctions yo qui utilise ça yo gagner comme aptitude pour yo au lieu yo bay population service au lieu bay collectivité à service mais plutôt comme yo gagner contrôle tout territoire gagner c'est pour yo café zam rentrer yo gagner machine officielle c'est plus belle bagaille pour yo contrôle territoire gagner c'est pour yo café cocaïne circuler contrôle territoire gagnant c'est pour yo ka faire kidnapping pi bien contrôle territoire gagnant c'est pour yo ka utiliser plaque officielle c'est pour yo ka utiliser plaque service de l'état contrôle territoire gagnant c'est pour yo ka utiliser plaque corps diplomatique oui parce que yo bon immunité yo gagne pouvoir yo gagne légitimité yo bénéficie un paquet avantage en dedans pays c'est ça que fait là n'a parlé de Haïti n'a parlé de stabilité pour pays n'a parlé de sécurité pour pays si nos différents ministères clés ça yo dans différents ministères qui interviennent directement dans la sécurité, dans la stabilité du pays, pas qu'il y ait des gens sérieux là-dedans, pas qu'il y ait des gens honnêtes là-dedans, pas qu'il y ait des gens crédibles là-dedans, pas qu'il y ait des gens qui ont un passé qui pas douteux, un passé qui pas entaché de corruption, de toute malversation, de toute malpropreté. Nous pas besoin de faire pays, nous pouvons parer pour nous faire pays. Parce que automatiquement, nous n'avons pas de kidnapping, nous n'avons pas de corruption, nous n'avons pas de toute malversation. Et autant de nègres, lycée ministre intérieur, ou pas qu'à dire c'est menti. C'est la justice qui peut trancher sous dossier. Gène cap dit c'est diversion, c'est comprendre, c'est boss, etc. Ou pas qu'à dire c'est menti. Ça aussi, ministère clé. Et ministère, ça aussi, on nègre doit faire corruption pendant yon là-dedans. Pas rien qui peut empêcher aussi non que la justice. Et en Haïti, yon assuré yon que yon crase justice. Donc, n'a pas les deux ministères de l'intérieur, n'a pas les deux ministères de la justice, n'a pas les deux ministères de la planification de la coopération externe, n'a pas les deux ministères de la défense. Donc, mes quatre ministères clés, ça yon, Haïti, je dis en là, la fait face avec quatre corrompus, quatre présumés chefs gang, quatre présumés nègres qui alimentent violence avec insécurité en dedans pays, quatre présumés nègres qui gagnent. Relation de proximité avec Bandi, comment nous t'avons pour payer gagner un minimum de sécurité, de stabilité dans ce moment-là. Kounya, bon l'autre aspect qui est extrêmement important pour nous. Ariel Henry, il y a une grosse négociation qui a fait pour arriver, remplacer, révoquer, remplacer immédiatement. Nous n'avons pas de problème. Depuis bien longtemps, il n'y a pas de problème. Merde, si vous révoquez, tant mieux. Mais Kounya, c'est l'Ariel Henry à gouvernement là pour le décider. Publier ou arrêter. Quand on a arrêté, on va le publier. Pour nous, effectivement, 4 nègres, ils ont révoqué, ils ont remplacé. Et puis pour nous, des CPJ, croisez bras, gardez vagabond ça. Pour nous, commissaire gouvernement, Jacques Lafonte, croisez bras, gardez vagabond ça. Automatiquement, son message clair, ils ont voyé pour Haïti. Ils ont voyé pour la population haïtienne, pour chaque grain haïtien. Yo réaffirme nous que Haïti sont un pays impunité lié, c'est impunité qui a prédié. Et face avec
impunité ça, nous même comme population, nous même comme citoyens, nous devons agir, nous devons réagir pressé pressé. Et qui façon nous gagner qui plus passif pour nous réagir. Imaginons Ariel révoquer nèg ça demain matin là ou bien pita là et puis yo remplacer yo. Et pourtant des par un commissaire du gouvernement qui décide poursuivre yo. Ou tendez des CPJ pas décider enquêter sur yo, tout nèg libre, l'argent yo te fin volé, l'argent yo te fin dilapidé, l'argent yo te fin détourné dans l'administration publique là, l'argent l'état yo et puis sont tendez à tout nèg libre, yo al vivre la vie comme si de rien n'était. Mais nous-mêmes comme population, nous-mêmes comme victimes aujourd'hui de fléau et insécurité que nèg sa yo créé, nous avons une réponse nous kabayo. Soit Ariel à toute la justice de dans pays assume responsabilité ou pour sanctionner nèg sa yo sitôt que yo révoqué, ou bien nous-mêmes nous sanctionner ni Ariel à tout gouvernement là la, tout quatre nèg sa yo pral parler pour révoquer là, parce que pas bien caché l'ombre encore. C'est nous-mêmes qui a victime, c'est nous-mêmes petites nous yo kidnappé, c'est nous-mêmes yo appauvri. C'est nous-mêmes qui décapitalisés, c'est nous-mêmes qui subissons viol collectif, c'est nous-mêmes qui subissons toute attaque, c'est nous-mêmes qui kidnappés, c'est nous-mêmes qui assassinés, c'est nous-mêmes aujourd'hui en petit nous pas à l'école, pas de stabilité, pas de sécurité dans le pays. Donc c'est nous-mêmes qui pour porter réponse ba nèg yo. Partenaire Ariel Henry à gouvernement, parce que parler de Ariel Henry, on présume coupable. Bon, je ne vais pas présumer innocent, je préfère dire présumer coupable dans l'assassinat président de la République, alors que le te choisi comme monde qui t'a pral unifié classe politique là pour arriver à aboutir à l'élection, pour arriver à aboutir avec une réforme constitutionnelle. Je dis comme si de rien n'était, puisque ou gen États-Unis dans bateau, ou gen États-Unis dans camp, puisque ou gen l'autre pays dans communauté international là dans camp ou sont à l'abri. Donc si la justice pas qu'à trancher depuis Ariel Henry, comment elle va le trancher sous ratio? Justice a une impression tôt ou tard Haïti, tôt ou tard haïtien a tourner dans question justice privée a. M'pa ta souhaiter ça. M'pa ta souhaiter pour aller dans poudan retourner en Haïti. M'pa ta souhaiter c'est nous même qui fait tête nous justice, mais Jean Bagay la privée là, Jean Bagay la praler là, n'a fait face avec une impunité mon cher à cheval. Nous ouais autorité qui t'a supposé au moins assumer responsabilité, c'est eux même qui bénéficient impunité. C'est eux même jodi là qui crase le système de justice parce que c'est eux même qui fait malversation. Yo refusé prendre code et nous pas côté yo pral passer pour yo prendre code là, c'est pas nous marre yo. Donc jodi là nous obligé nécessairement faire ça Ariel Henry te mande nous. Pas oublier Ariel Henry te mande nous pour nous caler genou. L'étape dit nous caler genou, il t'a fait nous caler genou comme si pour nous garder l'autre monde mais pour nous pas garder les bien jodi non seulement genou caler nous Ariel, nous est acolyte Ariel yo, nous est communauté internationale ça cap supporter Ariel avec tout gouvernement corrompu là, nous est chagrin trait à la nation, nous on paquet nèg depuis 25 depuis 30 dernières années ça yo cap fait choule qui c'est lèche que communauté internationale qui c'est lèche que États-Unis jodi là c'est même nèg ça yo cap habilité yo, c'est même nèg ça yo qui campé sous place publique cap dit yo van élection, c'est même yo même cap dit yo gen 25 ans y a liquide pays y a bay blanc jodi an ki décision nous vis-à-vis de nèg sa yo, ki décision nous, ki position nous vis-à-vis de nèg sa yo. C'est réponse ça m'a tann pa bon côté haïtien, pa bon côté compatriote frèm sèm yo. Nous gen autant n'ap souffri, nous gen autant n'ap souffri, et ça pi grave lan c'est l'entendé des séries de monde qui a fait déclaration qui dans diaspora qui explique au problème y a confronté avec Haïti dans moment là. Yo fait 10 ans de travail pour yo font car en Haïti et Kaisa qui est sur de prendre chef gang, chef gang ça moun bon moun nan zone qui est sur dio qui vient dans car là moun avec machine officielle qui est sur yé moun qui dans direction générale ministère, moun qui a travaillé avec ministre député sénateur. Nous qu'a fait pays comme ça? Nous qu'a fait pays pendant que nous dit nous remet diaspora, n'a décapitalisé diaspora, nous mettons paquet petit chien chou, paquet chef gang devant, à le voler bien diaspora, et puis qui est-ce qui derrière toute bagarre là, qui est-ce qui a tiré ficelle là, qui est-ce qui a tiré code là, c'est des séries de gros ministres, des séries de gros pardons de dans pays, en sénateur, député. Nous pas oublier, non, nous pas oublier, j'en fais dans mon chéri, te voler avec diaspora, non. Je dis, j'en fais dans mon chéri, moi, la voix au chapitre, la baye conférence de presse, alors que j'en a envie de recherche des EPJDL. De CPJ pas en moi nécessité pour aller mettre maintenant pas de casse à vie. Et puis nous avons fait pays. Pays n'a fait assez pour malheur et malheureux petit soyez yo. Là nous commençons à penser vrai pour nous faire pays. N'a pas impunité. Faut que nous finions avec le faut que bas. N'a pas faut que justice rétabli en dedans pays. Faut que le système judiciaire recampé. Faut que l'institution démocratique recampé. Et là ça n'a pensé avec pays.
fini avec le dossier ça. Et m'a dit de ton ferme, moi non ton qui puis enragé si m'a dit comme ça. En vérité, ouais ça m'a dit là, c'est pas un conseil, c'est son mise en garde lié pour premier ministre Ariel Henry. Ariel Henry ou décidé pour révoquer quatre ministres. Déjà on va t'après vos merdes, pas un problème. Soit accepter révoquer, c'est parce que ou d'accord, yo coupable de ça États-Unis reprocher yo. Ou d'accord, yo participer dans financer gang. Ou admettre yo participer dans créer violence criminelle dans le pays. Et automatiquement ou révoquer yo. Automatiquement ou prend arrêté, sorti ou arrêté, quand on remplace yo, souple. Fait pays à grâce pour une fois. Fait population haïtienne à grâce pour une fois. Arrêtez ceci pour remplacer 4 ministres. Faut que DCPJ ou bien commissaire gouvernement Jacques Lafonton tout prépare minute pour questionner, arrêter, mettre en côté pour réfléchir en attendant que lumière fait sous dossier. C'est pas au conseil, non, ça sont mis en garde. Parce que automatiquement, ou pas faire, ou seulement révoquer, n'est-ce pas, ou pas sanctionner. Population haïtienne, le peuple haïtien supposé font porter bourré ni sous même comme premier ministre tout reste gouvernement là tout le monde ça au bras choisi pour remplacer nèg yo pour leur faire remaniement cabinet ministériel loi pour marrer nous toutes comme voler comme nèg qui a financé gang comme nèg qui a financé insécurité qui a créé violence criminelle qui a bail gang j'arrête dans le pays il y a trop longtemps. C'est impunité qui régnait. Gè trop longtemps, nèg a volé l'argent Petro-Caribé, nèg a fait dilapidation, nèg a cassé pour être malheureux, malheureux, yo, nous pas jamais sanctionné yo. Nèg a rentré pauvre dans le ministère, dans le pouvoir, li sorti millionnaire. Li sorti millionnaire, pas jamais pour institution poser la question pour comment compter le jeune l'argent. Et c'est une des raisons après, nèg yo pas jamais remis faire déclaration patrimoine. Yo rentre pauvre pour leur sortir multimillionnaire pour pas les monde qui posent aux questions. Eh bien, faut que ça finisse en dedans pays. Faut que ça cabe en dedans pays. Abraham dit c'est assez pour Haïtien. Je souhaite comprendre et m'a exhorté chaque confrère, chaque consoeur qui a regardé vidéo ou même qui a regardé vidéo, faut partager parce que je dis en la nécessité pour nous faire lever camp. Peut-être c'est goutte de l'eau ça pral faire chavirer vasan. Peut-être c'est goutte de l'eau de trop ça qui a charrié vers parce que nous prenons trop coup. Nous prenons trop coup, nous pas capables encore. Nous comprenons? Nous pas capables encore. Avant de rentrer dans le dossier Louis Abinader, là, le dossier qui attire l'attention, je voulais faire un petit parler sous lui. C'est le dossier colombien. Nous connaissons les Colombiens qui étaient à l'assassiné président Jovenel Moïse Akani dans la nuit 6 pour arriver 7 juillet 2021 passé. Et bien là, Genye et Maître Maisonneuve, qui c'est avocat colombien, soi-disant, qui lui-même lui présente une requête là en habeas corpus pour qui ça pour le demander pour libérer colombien. Faut moi dis nous tout d'abord, c'est pas parce que colombien yo impliqué yo accusé on assassinat président Jovenel Moïse. Donc qui fait yo pas gain droit pour yo gain avocat. Tout le monde gain droit pour yo gain avocat. OK? Ou coupable ou gain droit pour gain avocat, innocent ou gain droit pour gain avocat. La justice et la défense est un droit sacré. Ça point boule pas gain débat sur la défense est un droit sacré. Koun y a un autre bagaille qui attire attention, c'est moun qui choisit à défendre colombien. C'est moun za qui choisit lui-même à faire action en habeas corpus pour demander libération colombien parce que et droit violé etc. etc. Qui est-ce Maître Maisonneuve, Marc-Antoine Maisonneuve? Et personnellement moi-même je suis avocat me connaît. Et li pa te ka l'autre bagaille qu'on raquette, li pa te ka l'autre bagaille qu'on raquette politique, que qu'on soi-disant et avocat militant politique etc. juste pour le faire mettre pour le mettre projecteur sur lui, pour le mettre lumière sur lui. Jean-André Michel fait, André Michel était avocat militant politique, je dis à côté lui, il dans pouvoir depuis nèg besoin tirer avantage tirer profit, yo montre yo c'est bon samaritain, yo c'est avocat militant et puis soit dans derrière bay moun mato. Mato moun passé yo pa gagne. Mato moun passé yo pa gagne et moi même personnellement, moi je vois plusieurs plaintes des amis dans la diaspora, dossier terre yo acheté, qui est-ce qui n'a avocat adversaire, c'est yo même. C'est Maisonneuve. De série de kay moun yo gen volé vin pran kay lan, qui est-ce qui n'a avocat adversaire Maître Maisonneuve. Donc ça va pas étonner que je dis là la défendre colombien.
Ça pas qu'à étonner m'jodi en là que là le fait action en habeas corpus pour demander libération colombien yo. On moun ko ça pas bon moun. On comprend? Li a utilisé militant politique comme pont pour le passer pour le vin gros bagarre en dedans pays pour ka connait pour ka parler de lui. Mais nèg ça mafia passer pas gagne, bluffer passer pas gagne. Ça qui arrive au acheter tout la terre c'est pour un type de propriétaire et puis on l'autre camp vient prendre terre et puis qui est-ce qui en face cap défendre l'autre camp c'est lui-même en tout cas et nous il était important pour me partager cette information ça avec nous pour nous côté nous camper avec des séries de mafia bluffer en dedans pays et depuis ces monde qui était dans même 42 Michel comme avocat peu pour pas bon monde bref ça me signe d'elle c'est mon deal qu'on y a dans ça qui est pour avec dossier président Luis Abinader. Eh bien, nous connaissons dans le dossier migration République Dominicaine, nous vraiment sensible avec migration haïtienne la caillou. Question pour haïtien débarquer en République Dominicaine sans papier ou bien vinn vivre en République Dominicaine visa fini ou rester là sans papier pirette là, eh bien, yo a déporté et dans mois qui sont passé là, yo t'ai une déportation massive haïtien qui fait en République Dominicaine. Yo voyé en Haïti. Mais qui ça qui gagne? Ça bagaille là. Pour politique migratoire, en dedans l'Assemblée générale des Nations Unies, toujours gagne débat qui fait sous ça. Toujours bon l'argent, tout pays yo recevoir pour gérer question migration la caillou. Eh bien, République Dominicaine, qui lui même de bon 21 millions de dollars chaque année, elle toujours recevoir dans politique migratoire pour gérer question migratoire, pour gérer et rentrer illégal qui fait sous territoire, pour contrôler territoire. Eh bien, année ça, tellement de violence qui fait sous haïtien en République Dominicaine, tellement de violation de haïtien en République Dominicaine, et bien dans le débat qui t'a fait dans l'Assemblée générale des Nations Unies, ils ont estimé que République Dominicaine, Abinader, etc., politique yo fait, politique migratoire yo fait, li plus penché sous violation droit haïtien que respecter droit moun yo a déporté. Et puis, soit dans des alani, yo pas voté pour yo bail République Dominicaine, pour yo bail Abinader 21 millions de dollars. Et bien là, yo annoncé lundi qu'a venu la bonheur dans matin là, c'est déportation massive haïtien. Et d'ailleurs, d'où chaque pays yo gère, chaque pays. Son pays, chaque pays gère question migration la caille, les gens le veulent, les gens le connaissent, les gens le pito. Li pa admettre pour aucun moun a vin foure bouche, a vin dictel comment pour gérer haïtien qui a rentré illégalement la caille. Li pa d'accord pour aucun pays a vin passer l'ordre comment pour gérer sécurité dominicaine la caille. Si gouvernement l'estime que haïtien qui est en République Dominicaine de manière illégale, yo représente une menace, c'est normal pour le fouke yo, mette yo dans camion, pimpe yo la caille, voye yo tourner la caille pour protéger. Pour préserver l'intégrité territoriale la Kaipal. Donc c'est ça qui fait extrêmement important ou même qui a vivre en République Dominicaine assure que ou a vivre et tout bagarre en ordre, papier en ordre ou bien tout papier ou légal ou pas pral risquer faire face à face avec agent migration etc. pour yo mettre maintenant pas de casse à vous pour yo maltraiter pour yo souffler tôt pour yo beaucoup pied pour yo humilier parce que là yo préparé pour yo humilier haïtien yo en pile c'est mettre coq veille coq précaution pas capon parce que dominicain pas vienne faire nous faveur nous même tout monsieur si t'es gagné l'autre nation t'a rentré en Haïti de manière illégale nous pas jamais accepter donc c'est ça qui fait extrêmement important pour régulariser situation nous devons nous rentrer dans l'école nous devons ou yon rentre l'hôpital à la performance, eh bien, pas étonné que yon continue avec pratique ça, pas étonné que yon rentre kaimoun, que yon allant business, que yon travail, que yon rentre la kayo, que yon allant l'hôpital, yon allant marché, etc. Parce que yon dou, yon a déporté haïtien en pile, yon pa gen, yon gen nécessité là pour yon prendre soin citoyen yon, pour yon prendre soin concitoyen yon, yon pa ka vin mette plus problème la kayo que ça yon te gagné déjà. Donc, information, je voulais partager avec vous parce que c'est extrêmement important pour chaque grand haïtien, chaque grand compatriote qui a vive en République Dominicaine. Donc, je dis là, nous ferons un bon débat sur différents points qui ont dominé l'actualité. Nous avons été connectés pour nous voir qui évolution qui gagne pendant le week-end avec les décisions que la primature que le gouvernement Ariel Henry a gagné pour prendre. Nous avons gagné pour nous contrôler, tout, pour nous garder et comment perspective là évolue en République Dominicaine par rapport avec politique migratoire contre haïtien que le président Luis Abinader lui-même lui mettait sous tapis, il mettait sous table. Donc, tout point ça, on a de très près pour nous kimbeo informer. C'était un plaisir pour me tenir avec vous et n'a prêté connecté pas changer channel là rendez-vous en cas c'est pita 7h boule avec Foucault pour cette programmation. Merci tout le monde, à très bientôt. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter tous les jours à partir de 2h
suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Ou remet pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les nantis, mon éditorial nous dit tout. Mon éditorial. Émission Mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, M. Chanel parle là pour qu'à bien informer avec.